Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Ben, bienvenue, faites-le maintenant, vous êtes là, heureux de vous retrouver en ce mardi 18 février 2020, 16h41, heure du Québec, avec un sujet que je trouve vraiment fascinant et intéressant et que vous aussi le trouvez fascinant et intéressant, selon les commentaires que je reçois beaucoup. Quand je parle de ce genre, de, de ce type de sujet, par exemple, celui que je vais aborder, les différentes races pluie. Hein, L'idée qu'on vient d'ailleurs, hein, c'est vraiment intéressant. La science nous dit qu'on est aucunement connecté avec les primates. Notre ADN n'a rien à voir avec ça. Ce qu'on veut absolument nous mettre dans la tête, <laughs> c'est pas pourquoi, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que quand on, on a une démangeaison sur les selles, on, <laughs> on ressemble aux gorilles ou quoi, mais on n'a rien à voir. Rien, rien à voir. On oh, regarde la diversité des races c'est hallucinant aussi on voit vraiment puis moi je suis dans le public puis je porte une attention particulière aux faciès aux caractéristiques du visage et j'ai la chance de vivre dans un bien, de travailler dans une ville très cosmopolitaine pour mes compatriotes québécois laval de, de toutes les races c'est un peu comme montréal mais encore bien, identique dans le fond et tu regardes toutes les caractéristiques des visages et c'est hallucinant. L'évolution n'a rien à voir là-dedans. Chaque visage, chaque. Et on essaye, avec des politiques maintenant, depuis une centaine d'années, de faire disparaître au niveau des élites avec la migration hein, et l'espèce les, les, de politique de portes ouvertes, qui c'est formidable. Je n'ai rien contre ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de mélanges hein, que tu que tu ne voyais pas un niveau aussi extrême à l'époque, tu avais des mélanges entre ceux qui avaient les moyens de voyager, les grands voyageurs, qui s'en allaient dans d'autres pays et qui rencontraient euh, l'âme sœur, ou avaient des aventures. Et de ces aventures-là naissait la vie. Donc d'un mélange pour essayer d'avoir une race uniforme, brunante, avec des traits plus ou moins... Sans, identique. Si tu regardes, profites-en maintenant parce que tu pourras voir ça qu'en photo après, quand tout sera mélangé, ça va aller vite. Je n'ai rien contre ça, c'est juste qu'on essaie de faire quoi là-dedans? Oubliez les conspirations, moi je pense qu'on essaye plus d'éliminer les preuves de différentes entités, de différentes races qui viennent d'ailleurs. C'est impossible que, que ce que vous voyez comme faciès soit expliqué par le climat, par ceci, par cela. Ça n'a pas de sens. Ça n'a tout simplement pas de sens. Mais la génétique nous dit en plus, la science, qu'il n'y a rien au niveau de l'ADN qui correspond à cette théorie de l'évolution. Rien. Donc il y a quelque chose qui s'est passé il y a quoi, 200 000 ans, on est arrivé là, boum. Mais qui est arrivé là? Plein de monde. En tout cas, c'est vraiment intéressant. L'histoire des civilisations anciennes, j'en parle un peu, on va en parler de plus en plus parce que c'est fascinant. Parce que ce qui est dans nos livres d'histoire, c'est rien. C'est de, de, de l'enfantillage, c'est de la propagande, c'est du n'importe quoi, comme disent les jeunes. Quand tu fais des vraies recherches, tu veux que ça n'a rien à voir avec ça. Puis dans les livres saints, on parle beaucoup de ces races différentes. De ces races d'anges, de ces races de ceci, de géants, de. Pas du délire, cela. Pas tous les écrits religieux qui viennent de... de plein de coins du monde, dont ceux des Amérindiens, les récits, qui sont du délire. Voyons. Tout ça, ce serait du délire. C'est écrit partout, aux quatre coins du monde. Tous ces faits relatés d'histoires de... complètement épiques. Qui dépasse la fiction. Aux quatre coins du monde, tu as des récits comme ça. Ça, c'est farfelu. C'est des légendes. C'est des contes. Mais tout ce qu'on nous raconte dans nos livres, oh, ça, c'est ouais, ça, c'est la vérité. Donc, voyez-vous, c'est important de faire la part des choses. Maintenant, j'ai un petit article ici qui est vraiment intéressant, qui nous parle des Pléiadiens. Qui sont les Pléiadiens? Et ça, Justement, ça parle de ça, de ces, toutes ces différentes races qui seraient, hein, qui existeraient, entre autres. L'auteur Barbara Marcignac euh, euh, nous parle de ça, se définissant elle-même, ou son travail, comme un collectif d'êtres spirituels multidimensionnels du système stellaire des Pléiades. La mission du groupe est d'aider l'humanité dans le processus de transformation spirituelle. Chercheur devenu et auteur d'exopolitics.org, ex, Michael Ceya, ou Sella, médecin, croit que les êtres hors du monde, la mode d'étoile des Pléiades, sont des cousins éloignés des humains. Sella rapporte que les Pléiadiens sont motivés à se connecter avec l'humanité par souci de l'avenir de la Terre. Les légendaires euh, ou les légendes des Cherokees enseignent que les Amérindiens sont originaires des Pléiades depuis longtemps et affirment que les peuples autochtones sont sur Terre en tant que graines d'étoiles avec pour mission d'apporter de la lumière et des connaissances. Les Navajos appellent l'amas d'étoiles pléiadienne, les soleils étincelants et les Iroquois demandent euh, la constellation du bonheur. Les Lakota, Dakota, disent que leurs ancêtres sont des Pléiades. Selon le guide complet des étrangers, les Pléiadiens ont une apparence distincte nordique ou scandinave, une durée de vie de 700 ans, et bien qu'ils soient, en termes d'évolution, toujours en travail, euh, un travail en cours, ils sont beaucoup plus émotionnellement et spirituellement développés que les humains de la terre, que nous, en fait. Également appelés sept sœurs, les Pléiades sont un groupe d'étoiles de la constellation du taureau. Les astronomes appellent le groupe M45. La désignation provient du travail de l'astronome français du 18 siècle, Charles Charles Messier, qui a identifié et catalogué les, les objets euh, astronomiques. À une distance de 444,2 années-lumière, l'amas d'étoiles la plus proche le, ou le plus proche de la Terre, les Pléiades, sont utilisés pour tracer la distance en utilisant une méthode appelée échelle de distance cosmique. L'étoile la plus brillante de l'amas est Alcyone, jugée sept fois plus brillante que notre Soleil, il y a en fait plus de 1000 étoiles dans la l'amas et dans des conditions optimales, environ 14 étoiles peuvent être vues à l'œil nu. La plupart, en regardant la l'amas sans grossissement, voient six étoiles, mais il y en a sept et la septième étoile perdue est un thème commun dans plusieurs mythologies, y compris l'Indonésien, l'Africain, l'Australien, l'Européen euh, et l'Amérindien. Les Pléiades étaient les sept filles du titan Atlas pré-olympien et Pléone, une nymphe. Selon le mythe, les Pléiades, nommées Maïa, Electra, Alcyone, Tégate, euh, Célano, euh, Mérope et Astérope, étaient dédiées à Artemis, la déesse grecque de la lune et de la chasse. Orion, le chasseur, avait été placé dans le ciel avec le scorpion qui l'a tué, qui a été tué par Zeus. Avant sa mort, Orion a vu les sept sœurs et est parti les capturer. Zeus, par pitié pour leur sort, les transforma en étoiles et les plaça dans le ciel. Artémis était furieux entre Zeus et le mortel Orion. Elle a convaincu Zeus d'envoyer un scorpion monstrueux pour attaquer Orion. Le chasseur est mort des piqûres. Après sa mort, Zeus plaça Orion dans le ciel à la poursuite éternelle des sœurs et à la fuite perpétuelle du scorpion ou Constellation du Scorpion. Le cluster a également été utilisé par les anciens Méditerranéens pour signaler le début de la fin de la saison de navigation selon le Oxford English Dictionary. Le cluster apparaît dans Homer, Homer's Odyssey et Iliade, référence comme un signal pour les débuts de la saison de plantation. En mai, Hésiode, un autre poète épique grec, a fait référence au Pléiade dans son poème Théagonie. L'hermétisme, un système ésotérique basé sur des écrits attribués à Hermès, comprend des traités sur le symbolisme ésotérique des constellations et des planètes. Hermès était peut-être originaire de Grèce ou d'Égypte, mais il a été désigné comme un fils du Nil. Il serait également le père de l'astrologie et de l'alchimie occidentale. La rumeur veut que ces écrits soient apparus pour la première fois à Rome au deuxième siècle avant Jésus-Christ ou après et il a toujours été associé au dieu grec Hermès ainsi qu'à l'égyptien Thoth. Selon les traditions hermétiques, les sept étoiles ouvrent les chercheurs à un niveau de conscience plus raffiné, considéré comme une école d'apprentissage par les herméticiens, seuls ceux qui ont été purifiés des blocages énergétiques du corps subtil. L'invitation à l'initiation aux, ense aux enseignements de la sagesse pléiadienne viennent spontanément pendant le sommeil, ou la méditation profonde. Les Pléiades sont également considérées comme la source d'énergie électrique de notre système solaire provenant de la petite sœur Electra. Ici, on voit le disque nébran avec l'aimable autorisation de Wikicommons. Les Pléiades, dans la mythologie nordique, celtique et de l'âge du bronze. Le disque nébran, découvert en 1999 par les, les chasseurs de trésors de la région Saxe-Anhalt en Allemagne, dépeint l'amant d'étoiles avec la Lune et le Soleil daté de 1600 avant notre ère. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un instrument astronomique portable. L'artefact est la première représentation connue de l'amant des Pléiades en Occident. Dans l'Europe de l'âge du bronze, le solstice d'automne et l'équinoxe d'hiver étaient associés au chagrin et au deuil. Au solstice, les Pléiades, c'est le vrai, à l'est, comme le coucher du soleil, à l'ouest, d'où l'association avec le deuil et le passage de l'été, ainsi que la saison des récoltes. Pour les cultures scandinaves ou vikings, les Pléiades étaient considérées comme des poussins de Frégia, Frégia étant la déesse nordique de l'amour, de la beauté, de la fertilité. Pour se protéger, certains peindraient sept taches représentant les sept étoiles. Sur les poulaillers, les coccinelles étaient associées à la grappe. En raison des sept taches sur leurs ailes. La première mention astronomique de l'amas d'étoiles a été contenue dans les Annales chinoises vers 2350 ans avant Jésus-Christ a été désignée sous le nom d'étoile fleurie. Le mausolée tenticulaire de Xiangling est le complexe funéraire de l'empereur Hongwu. Fondateur de la dynastie Ming, situé près de Nanjing, dans l'est de la Chine, vu du ciel, le complexe funéraire fait écho à l'arrangement des étoiles pléiadiennes visibles. Selon l'auteur Wayne Herschel, cette géoformation est une carte en étoiles appelée le monticule au trésor. Le tombeau est dit de tenir de grands secrets cosmiques au-delà du trésor d'or. Au Japon, Subaru, ou les Pléiades, et plus euh, que le nom d'un constructeur automobile, il renvoie également à la valeur culturelle du euh, groupement harmonieux, ou dans le langage moderne, au travail d'équipe, une caractéristique des sociétés de samouraïs et de shoguns. Shogun, hein? Selon le mythe, Ameterasu, euh, Am la déesse japonaise du soleil, s'est disputée avec son frère Susanao, l'incarnation du pouvoir de la nature. Intimidée, elle s'est cachée dans une grotte. Le monde est devenu sombre et pour le faire, la faire reculer, ses bijoux ont été suspendus à un arbre sacré à proximité. Elle a finalement quitté la grotte et est retournée dans le ciel pour que la terre soit à nouveau nourrie par sa lumière. Les bijoux euh, t a, t a, Rassu, pardon, étaient associés à la grappe Subaru ou Pléiade. L'histoire est une allégorie tout comme le soleil devient bas. Dans le ciel en hiver, les bijoux subarus peuvent être vus comme un rappel que le soleil reviendra au printemps. La mythologie hindoue soutient que les sept sœurs appelées euh, Kirtika étaient mariées aux Rishis, les sept sages qui composaient les étoiles de la grande ours. Tous vivaient heureux dans le ciel du nord. Un jour, Annie, le dieu du feu, a vu le Kirtika et est tombé amoureux. Il savait qu'il appartenait aux Rishis et découragé. Il erra dans une forêt en essayant de les oublier, mais la petite déesse Ch Chahi, ou Jvahi Jva plutôt, incarnée par la, la star Zeta Reticuli, a vu Annie et a été frappée. Elle s'est déguisée en Kirtika et s'est offerte à lui. Il croyait qu'il avait gagné les femmes des Rissis. Zvaha est tombée enceinte et lorsque son enfant est né, une rumeur s'est répandue selon laquelle six des épouses des Rissis était en quelque sorte la mère du bébé. Lorsque les sept récits ont entendu cela, ils ont divorcé de leur femme, mais un, Harun Dati, l'étoile Alcor, a, a refusé de quitter son mari. Les six autres épouses sont devenues les stars, les étoiles des Pléiades. En astrologie védique, les degrés du, de 26 béliers à 10 taureaux sont gouvernés par les euh, crypticas ou Pléiades. Une personne née sous l'influence des sœurs serait fougueuse, Guerrière et aventureuse sous un extérieur agressif, les indigènes ont une qualité profondément stimulante et ont de grandes capacités pour soutenir les autres. Ici, on va le coucher du soleil à la fameuse Devil's Tower dans le Wyoming. Ça, c'est vraiment euh, spectaculaire la Devil's Tower. Un mythe Cherokee raconte l'histoire de sept garçons qui ont joué toute la journée à un jeu avec des pierres roulantes et des bâtons appelé Gatuyutsi. Ils ont négligé leurs tâches telles que le désherbage des jardins. Leurs mères les ont harcelés sans succès. Un jour, ils ont donné aux garçons des pierres de gaduyutsi bouillies pour le dîner au lieu de maïs. En colère, les garçons ont commencé à danser et à prier pour obtenir l'aide des esprits. Finalement, leurs mères les ont recherchés et les ont trouvés dansant, mais à chaque cercle, les garçons ont dansé, ils se sont levés plus haut du sol, les mères ont couru pour récupérer leurs fils, mais trop tard, ces garçons étaient maintenant hors de portée. Finalement, les garçons sont montés dans les cieux, ils sont devenus la grappe des Pléiades que les Cherokees appellent encore Anitz. Tzout, euh, anitz, tzoutza, les garçons. Selon un article publié dans Indian Country Today, les Iroquois, le Delaware, le, transport, les, le, le Transporteur, les Inuits, les Aédans, les Salis, les euh, Peyoutes, les euh, Wiyotes, le, les Chester et les autres aussi, toutes les communautés, hein, plein d'autres, ont tous étiqueté la brillante collection des playables. L'article note également la qualité légèrement insaisissable de l'amant. Plutôt que de regarder directement le regroupement, la constellation est beaucoup plus claire lorsqu'elle est vue avec une vision périphérique. Citant un mythe des tribus California, Sierra et euh, Paiute. l'auteur partage l'histoire des Grizzly Sisters et des Deer Sisters. Un jour, la mère Grizzly a mangé la mère, euh, mère euh, Deer, donc, euh, et les sœurs de la mère Cerf, et les sœurs des Cerfs ont riposté. En piégeant les sœurs Grizzly dans une grotte, le Dakota du Midwest croyait que l'amant était le tiami et demeure des, ans, euh, demeure des ancêtres. Et quand nous mourrons, nous allons vivre dans les pléiades d'une histoire célèbre et de savoir comment cette jeune fille était chassée par un ours. Les filles ont prié les dieux qui ont répondu en soulevant le sol sous leurs pieds. En l'air, l'ours en colère a griffé la terre, laissant des traces de griffes, mais a finalement abandonné et est parti. Les jeunes filles ont été trans formée en étoiles et placée dans le ciel pour une garde éternelle, et l'endroit où elle se trouvait est maintenant la tour du diable du Wyoming, avec d'énormes euh, stries verticales censées être des marques de griffes d'ours. Ceci est un petit échantillon euh, des mythes et du symbolisme cléadien. Cet amas d'étoiles relativement minuscule a pris une importance proportionnellement énorme dans presque toutes les traditions et cosmologies anciennes. Peut-être que nous accordons instinctivement une grande importance aux Pléiades parce que nous avons une place pour eux dans notre conscience collective pour l'instant. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous, nous, le, nous le découvrirons peut-être à mesure que la conscience évoluera vraiment intéressant. Hein, toutes ces histoires, toutes ces mêmes histoires rapportées dans plusieurs sociétés, hein, plusieurs coins de la Terre, vraiment fascinant. Je voulais vous partager ça, chers amis, parce que je sais que ça vous fascine aussi.